Bah on y retourne hein. Monsieur Aylpierre. Ah oui c'est vrai. Oui. Ta mort a permis d'invoquer une forteresse avec une paire d'extra pour moi. Ah c'est beau. Allez on y va ou pas? On arrête d'enfiler des perles là. Danaway says ça va. Et Pierre says Imro top. Imro top. Ah c'est une nouvelle celle-là, c'est pas celle-là hein. En fait ce qui m'emmerde dans ces forteresses c'est les shulkers. J'ai même pas pris de shield. Y'a pas de bateau? Ouais y'a un bateau celle-là. On va voir parce que si elle est pas explorée. Ouais y'a rien, y'a pas de build et tout. C'est une nouvelle ça. Ça a l'air de moins laguer. Et Pierre fait le from à y place. Oh putain, j'ai pas mes... Ah. Et Pierre says JKE peut avoir une enderpie ARL. Et Pierre says est à citrouille STP. Et Pierre says merci. Clodo des bois. AlpZZ says Clodo des bois. C'est l'enfer, putain de merde. Tout ça parce que je pensais que j'avais Feather Falling, moi, au KLM, tu sais. Je me suis dit, bah c'est bon, j'ai Feather Falling, no problemo, la chute. Ah bah non. Ah, c'est par là qu'on a bridgé, oui. Oh, mais il y a un autre bateau ici, on l'avait pas vu. T'es sérieux? Sérieux. Ah mais si j'y monte, je vais mourir, j'ai zéro stuff. On retient les coordonnées, les mecs, on reviendra. Non, ah oui, en train de dire, bref. Ouais, c'est là. Mon stuff, il se cache quelque part. Le premier, en tout cas. Non, mais c'est pas le vrai stuff, c'est le stuff de remplacement, comme je suis craché avec. Mais j'ai fait mi-chemin vers mon stuff, mon vrai stuff. Alors, j'ai tout récupéré, je crois. Mais non, je me suis foutu en feu avec vos conneries. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh. Oh, celle-là, on les prend, les mecs. On hésite même pas. Ah, j'ai oublié les élytras. Oh, merde. Ça va bien. Ça va, c'était juste pour le troll. Je savais que je les avais oubliés. Toujours plus haut. C'est par là, les mecs, je reconnais la route, notre stuff. Il nous tend les bras. Chunk chargé, on a 5 minutes, let's go. J'avais pas aussi 50 milliards de level, les mecs. Ah, j'en ai récupéré une partie. Bon, j'ai récupéré mon stuff, je suis un homme heureux. Bon bah du coup, j'ai 4 paires d'élytras, moi. Bon, est-ce qu'on peut trouver d'autres choses ou pas? Bon, qu'est-ce qu'on fait, une dernière paire? On en a 4. Ça, on finira pour l'end pour aujourd'hui. Ah oui, on avait une forteresse non visitée. Bon, de toute façon, faut revenir de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc ouais, on va y aller. On va faire le chemin arrière, vous avez raison. Bon, il y a pire que se tirer les bombes, hein. Et celui, c'était... Je voulais pas... Oh là là, mais t'es sérieux? Heureusement que j'avais... Mais t'avais tes élytras, je me suis dit c'est bon, ça passe. Oh, le coup. Mais oui, j'ai pas... Je me suis dit ça passe easy, t'as les élytras. Par contre, il me reste un cœur. Putain, c'est dommage que j'étais pas en bas parce que là, j'aurais fait poule. Oh là là, mais attends, en plus en bas, il y a tellement de mobs que c'est Bagdad. Je me prends une flèche, je suis mort, mec. Non, je vais forcément prendre une flèche perdue et vu que j'ai un cœur, c'est mort. T'es où? C'est noir de mobs. Wotan 83 was slain by Dragon. De toute façon, tu connais le singulier de Siphano ou pas? Ouais, oh, Siphanal. Blablabla. Blablabla. Bon, c'est l'heure de sortir la carte du créatif. Regardez-moi ça. Mais le mec, il vole, il cheat. Ouais, on est sur notre deuxième compte. Je vais vous dire un peu ce qu'on va faire, quels sont les projets, ça va prendre du temps. Mais on va y arriver à force. J'ai délimité cette zone, c'est pour faire un début. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais on fera plus large. Alors, l'idée, je veux faire une cité sous-marine. Mais pour faire une cité sous-marine, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de hauteur. L'eau est à 64 blocs, enfin 63 même. Et on descend jusqu'à 40. Donc on a que 23 blocs. Et de 40, on peut descendre à la couche 6, 7, 10, disons 10. Donc on peut encore gagner 30 blocs. Mais pour ça, il faut qu'on puisse enlever tout le bas de l'océan et terraformer. L'idée, c'est de faire un océan plus profond. Mais pour faire ceci... On n'a qu'une seule solution, c'est de tout faire péter à la TNT. On n'a pas les commandes fil, etc. Ça serait beaucoup trop simple et on ferait laguer tout le monde aussi. Faut mettre un petit peu de difficulté, le créa, oui, mais pas que. Et donc, ce qui était bien avant, qui existait et qui fonctionnait ultra, ultra bien, c'est une usine qui permettait de virer l'eau et ensuite de dropper de la TNT par-dessus et ça creusait. Problème, ça utilisait la duplication de TNT qui ne marche plus en 1.13.1. Elle marchait encore en 1.13.0, mais elle ne marche plus en 1.13.1. On n'a plus de duplication de TNT à l'heure actuelle. La solution, ça va être de remplir intégralement ça de sable, avec les murs sur le côté. Ensuite, virer tout le sable à l'intérieur. Et ensuite, dropper masse TNT dedans. Alors, on n'aura pas besoin de virer tout le sable à l'intérieur.
On droppera Mass TNT dedans. Je ferai un contour en Opsi. Ça, on pourra le faire limite à la mano. Pour pas que ça pète, évidemment. Et à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est on va faire la fameuse usine à sable automatique. On va la construire. Et ensuite, en AFK, ça va tout remplir. Ça va tourner. Alors, je veux juste. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'en AFK, il faudra que je mette deux comptes pour que tous les comptes, les chunks soient chargés. Donc, on va builder ça. Ça va être rapide. En vrai, en une nuit, c'est full, je crois. On aura peut-être un peu plus vu la taille, ce sera peut-être deux nuits. Mais ça va être assez rapide. Mais ce soir, on va déjà faire tout le mécanisme. Ah oui, ça serait plus simple avec des commandes. Mais on fait pas les commandes. Non seulement parce que ça serait trop pété, mais pour une raison très valable. Les mecs, de toute façon, quoi qu'il arrive, on peut faire des erreurs dans les commandes. Et si on fait des erreurs, ça peut mener à des trucs catastrophiques. Alors qu'en créant, on ne peut pas faire d'erreurs. Donc voilà pourquoi on n'utilise pas les commandes. Ah, par contre, j'ai pas mis les blocs au bon endroit. Vous savez quoi, on va refaire un contour d'obsidienne. Alors pourquoi pas utiliser les éponges? Parce que les éponges changent pas grand chose dans le fait où faut quand même que tu remplisses. C'est-à-dire, même en spammant d'éponges, ça va constamment se re-remplir. Ça va être l'enfer. Chose étonnante, j'ai remarqué, je pense que ça a été fixé, depuis la 1.13.1, il y a beaucoup plus de dronettes qui spawnent. Mais alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Alors qu'on est nombreux sur le serveur. Je sais pas si vous voyez. De toute façon, si j'en ai un avec un trident qui spawn près de chez moi, je fais venir Hyper. D'ailleurs, faudrait que je le fasse venir en normal. Let's go. Je t'ai mute, t'es invisible? Oui, je suis invisible parce que je suis en créa, je me mets en invisible pour pas déranger les autres. Tu construis une ligne et après ça décale au fur et à mesure, c'est ça l'idée? Ouais, j'ai des... Sérieux? J'ai Minecraft décollé ce soir. Oui, c'est long. Bon. Voilà. Ok, on a bientôt fini normalement, donc... Ah, damn. C'est pas bon, on va le mettre... Non, on peut pas le mettre à peine plus près. Normalement il observe pas le changement d'état, donc ce sera bon. Ça peut casser du coup. Je me rends compte que ça peut casser. Et on peut enfin faire des beaux circuits, les gars, avec du fer et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vos journées se résument en je picole, je mange, je me transforme en mec gay. C'est un peu dur. Ah, regardez comment on fait une grande longueur comme ça. C'est pas fini encore la machine. Hein. Je pense quand même que vu la taille que j'ai fait, ça va laguer un tout petit peu. On va tester. Oh, ça ne l'allume pas maintenant. Non, ça lagera que quand une rangée se transférera, donc t'inquiète. Apple a envoyé un iPhone. Orange. Ah, Orange, oui. Parce que j'allais dire, ouais. Apple, ils envoient même à leur exécutif autre chose. Tout est justifié. Il leur envoie des Android. Limite, ouais. Hein. C'est une secte. T'es obligé d'avoir des produits Apple, si tu travailles chez Apple, mais tu dois te les acheter quand même toi-même. Mais t'as une réduction, hein, quand même. Voilà, ça va, c'est sûrement 99%. Mais ils te donneront jamais gratuitement. Ok, on est bon, les gars. Et là, on va tester le lag server. Ah, regardez. Oh, ça va, ça a pas lagué. Incroyable. Mais si, Anaé, c'est ma secrétaire. C'est ma secrétaire cochonne. Et puis elle run. Elle a 300 km mais je l'entends crier là, d'ici. Ah ouais, le fouet les mecs, hein. Vous allez la voir cette photo où je me fais fouetter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai l'impression que je me suis planté sur le premier. Ah non, je me suis pas planté. 4. Ah, bon bah les mecs. RIP mon cul ce soir. Ne pouvant demander au chat, peux-tu me dire quelle est cette machine diabolique? Alors, c'est pour remplir de sable toute cette partie de l'océan pour ensuite pouvoir creuser entièrement à la TNT pour ensuite remettre de l'eau. Tu me crois? Oui. Tu tapes quel bloc? Du bloc d'iron. Ah, mais il faut que tu fasses fondre ça. Ah oui, merde. Oh. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Hein.
Ah oui, en effet. Fuck, y'a 3 blocs en trop, les mecs. Ah non, ils sont en bloc au-dessus, les mecs. Alors, quelle est la suite ? Donc ça, sachez-le, c'est l'usine utilisée sur... Ah oui, mais ici, ça va être un poil embêtant, on va voir. C'est pour ça que je préférais... Ouais. Est-ce qu'on aurait dû réduire celui-là ? En vrai, celui-là, on aurait pu le faire un seul bloc wide. Un truc intéressant. C'est pour ça qu'on met les... Okay. Probablement pas. Ok, c'est bien les mecs, vous suivez, c'est propre. On arrive au bout. Ah mais c'est le beacon de Bill ça, nice. J'ai pas vu qu'il a émis. Ok, la technologie Instant Wire jusqu'au bout. Combien tu te mets sur 10 en termes de niaiserie, bofferie, connerie? Bofferie 0 sur 10. Connerie 10 sur 10. Niaiserie, c'est plus compliqué. 42, 69. Voilà, c'est bon, ça, c'est parfait. Comment je vais faire pour fournir le sable à la machine? J'ai un secret que je n'ai pas encore avoué. Je suis en créatif. Incroyable cette technique! Qui l'aurait cru? 4, 5, 6, 7, 8. 9. C'est 9 hein, qu'on a dit entre. J'espère que j'ai pas merdé quelque part. Parce que c'est long à construire. On est bon du coup. Je vire ça parce que le sap pourra jamais passer sinon. Ouais, j'avais... En fait, j'étais commencé à me dire je vais mettre de la TNT en dessous. Puis je me suis dit c'est une très mauvaise idée en fait. Ça va être la full merde. Alors, du coup, maintenant, on enlève les fours. Là, en tout cas. Ok, quelle est la suite? Je crois qu'on arrive quasiment au bout. Ok, je crois que ça fonctionne. On fait un test ou pas? C'est possible qu'on fasse laguer méchamment le serveur. Je sais pas si j'ai assez de view distance pour que tous les chunks soient chargés. C'est la seule chose qui me fait peur. On va amener l'autre compte. Ah, ça y est, c'est bon, ça a switché. J'avais pas fait un lit, moi. Je vais en emmener un, là-bas. T'as quoi en échange? Tout ce que tu veux voir... Avec Aïbière. Vers aucun des Mexicains. 3 mois. Ouais, non, j'aurai mon trident dans 3 mois. Là, tu pousses un peu mémé dans les orties, là. C'est trop cher payé. Non-agression pendant une semaine. Mais on négocie. Là, il va me dire plus, je vais dire moins. 4 semaines. 3 jours. 2 semaines. Je l'ai tenté, c'est pas passé. 3 semaines, ça fait beaucoup, hein. À partir de maintenant, 3 semaines. 1, 2, 3. Sont 2 semaines, je serai pas là. 2 semaines et 3. Jusqu'au. Attends. 3 semaines, ça fait jusqu'au 15 septembre. Jusqu'au 11 septembre. Ensuite, la guerre sainte reprend. Allez, vendu. Ah, c'est 2 semaines, les mecs, ça va. Je t'attends. Au spawn. Le pack d'on agression se termine au 11 septembre. C'est beau ça! Donc pas de Mexicains d'ici là. Bon bah on devra se reporter sur les non-Mexicains. Oh!
Durabilité 5, lul. Merci. Putain, la durabilité 5, faut pas qu'on le tire. Hein. LOL! Eh, si, s'il en drop un. Non, il a pas droppé. Vous imaginez, il en aurait droppé un. Oh là, ça aurait été rigolo. Pour le coup, là, ça aurait juste été parfait, quoi. Le fist plus canal, j'avoue que là. Let's go! Vous avez vu, c'est sympa, hein, ce petit truc. Alors, sachez que c'est encore plus sympa quand on est en créa, puisqu'avec la night vision, il faudrait faire des popos de night vision constante, on voit tellement bien sous l'eau. Et si jamais vous cherchez des jeux, connaissez-vous Instant Gaming? Il y a un lien incroyable qui vous permet en plus de participer tous les mois à des giveaways grâce à la régie qui va dropper le lien dès maintenant. Sur notre gauche, vous pouvez apercevoir l'Antarctique avec ses nombreux pingouins qui sont cachés dans les icebergs. Sur notre droite, vous pouvez observer la magnifique ville de Couillemolle en Bavière avec ses petites maisons rurales très typiques de la région. Nous allons maintenant quitter l'Antarctique et aller vers des eaux plus chaudes. Bon, on arrive bientôt. C'est vrai qu'on n'est pas à côté, c'est pour ça qu'on passera par le Nether après. The-baboon join the game. The-baboon. Et Pierre says the-baboon. Ah, il nous en fallait un. The-baboon says non. The-baboon. Voilà. Oh, incroyable. Mais quel homme a fait cette construction? J'aime bien parce que là, il est en l'air là-bas. On est perdu en mer. Donc niveau nouveauté, on va surtout construire dans l'eau, utiliser les trucs relatifs à l'eau. Utiliser pas mal les nouveaux blocs. J'ai vu au spawn le fameux bois qu'on enlève l'écorce, ça rend vachement bien. Regardez, un miracle va s'accomplir devant vos yeux ébahis. Un miracle va s'accomplir. Ok, regardez, bon, on est bon là. Donc lui, il charge tous les chunks. Ok, on peut tester ce qu'on voulait. Bon les mecs, c'est le moment de vérité. Ça a l'air de marcher. Ça lag tellement. Faut que je le fasse tourner la nuit. Ça a l'air de marcher. C'est la 1.13.1 qui galère au niveau des affichages. Écoutez, ça a l'air de marcher. On va voir si le retour marche. Oh, ça va être long. Ça va pas se faire en une nuit. Hein. Si c'est une minute pour faire un aller-retour, ça va clairement pas se faire en une nuit. Après, quand il y a personne de co, ça ira plus vite, je pense. En fait, je pense que c'est les lags sont purement visuels. Alors non, faut surtout pas reboot le serveur, parce que sinon, toutes mes machines, là, s'arrêtent. Il faut que je les restarte manuellement, donc j'ai pas très envie, en fait. La grande question, c'est est-ce que ça a bien marché? Là, ça va plus vite. Bon, c'est bon, ça fonctionne. Après, ça va être full AFK. Au pire, je pourrais le lancer sur un autre PC. Ça tournera en continu, vraiment. Hein, avec mon compte créa. Bon, de toute façon, l'autre chose qu'il faut faire, c'est intégralement recouvrir d'obsidienne jusqu'en bas. Il y a un mec qui gueule dehors. Mais... What the fuck? Un genre de Fortnite, ça encore. Oh shit. Oh shit! J'avais oublié ça. Bon les mecs, on est parti pour laguer. Faut que j'enlève absolument toutes les kelps. Et jusqu'en bas, hein, faut pas que ça repousse. Y'a du taf mais c'est du full AFK, donc c'est pas gênant en fait. Oh mais y'en a pas tant que ça de kelps, regardez là, y'en a pas. Ah, on va avoir un petit souci d'identité hein, je pense. Ça dispawn ces trucs au moins? Je suis pas sûr mais je crois qu'on va avoir un petit problème d'identité. Ah oui, y'a déjà 1000 entités autour de moi. À partir de combien ça lag selon vous? Et du coup, ça comparait à Edith Piaf parce qu'elle a vendu je sais plus trop quoi, Amsterdam. Oh damn! L'erreur! Ouh. Oh, c'était pas prévu ça! Rip l'écologie. Vous savez que c'est dans les forêts de kelp qu'il y a les loutres? Très joli à voir d'ailleurs. Pourquoi ils ont pas rajouté des loutres? Putain, ils auraient cassé le game s'ils avaient ajouté des petites loutres toutes mignonnes. Qui te balancent des cailloux et tout. Oh, ça aurait été trop cool. Une éponge à la base desquelles détruit le bloc d'eau et fait dépoper les caps. Non, alors je vais regarder. Si ce que tu dis est vrai, tu tiens là une solution incroyable.
Oh damn! Mais quel homme! Oh mais quelle solution incroyable! On les casse 40 par 40! Oh putain! Oh la violence! Brrr. Ouais, c'est pas le stream qui lag les mecs, hein, c'est mes FPS. Regardez les FPS, là on est à 70 FPS. Je suis pas contre. Oh là 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 là! Regardez! Oh. Bravo Jet pour ce lag de serve magnifique! Effectivement, c'est parfait. Ça m'a l'air bon, hein. Je crois que j'ai tout viré. Let's go! Juste regarder que ça marche bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, on arrive à faire bugger le truc! What the fuck? Ça bug complet en 1.13 la gravité! Mais what? C'est pas très stable ton histoire. Mais si! Ah, il y a moins de monde, vous avez vu, ça lag beaucoup moins. Et c'est quand qui a quitté? C'est l'un des deux qui est dans une zone qui a l'air de poser des soucis. Ah, c'est dès que des gens explorent. Hein. Ça a l'air de marcher. Voilà, et puis ça va remplir au fur et à mesure. D'abord comme ça, et ensuite ça va déplacer tout. Mais ça va être relativement long, hein, on va pas se mentir. Bon, on va laisser le compte créa de côté. J'ai aucune idée à quelle vitesse ça peut avancer. Je pense que ça va être quand même très très long. Juste parce que les allers-retours prennent une minute. Donc ça fait une rangée de sable. Donc une heure, il y a combien? Il y a 20... Je pense que ça fait une minute par aller-retour. Quand il y a personne sur le serveur, c'est quand même assez rapide. Ce qui veut dire que pour faire... On a combien? 20 blocs de hauteur, 20... En gros, il faut une heure pour faire deux trucs. Donc en 24, on en fait 48. Il faut 48 heures à peu près. Voilà, faut que ça tourne pendant... Je suis con. Je vais faire un portail du Nether. C'est moche le Nether comme ça. Ben on va le décorer après, t'inquiète, le concret va passer par là. Bon, on fait le portail, on va tester le fil. Parce que la machine, c'est sympa. Mais est-ce que le fil, ça serait pas plus sympa? Je vous le demande. Et... Wait, what? Mec! Il est juste là-bas, le portail! Tu te fous de ma gueule! Ouais, parce que maintenant, ils les font. Ok, il est pas bien. On va regarder les coordonnées exactes et on va le refaire, ok? En tout cas, c'est bien, bien codé, Minecraft. Ok, coordonnées exactes. Les mecs, division par 8, 2761, moins 3050. 345, moins 380. Ok, bien wesh, les gars. Ils ont bien dû se marrer quand ils ont créé les sons des ghasts. C'est le son d'un chat, qui est du chat de C418 qui est retravaillé. Nice, c'est linké. Bon les mecs, je me reco sur l'autre compte. Ok, c'est le moment. Alors faut pas qu'on se plante. On va tester sur des petites surfaces. Donc, la commande fil. From to block. Ok, on augmente vers les moins, donc on diminue. Et là, on diminue. Donc c'est fil, de où on est vers... Disons moins 10, 10 en hauteur, moins 10, Minecraft sand, et on va faire un keep au cas où. Ah oh, ça marche hein. Merde, y'a Shuka, il va râler. Je sais pas si on a le droit. C'est pour voir. Si je suis pas rouillé en commande, éviter 48 heures. En vrai, c'est vraiment 48 heures à faire larguer le serve. Oh, damn! Oh, c'est un peu plus violent. Ah! Ah! Ah, ça apprécie pas trop ça. Ah, mais je crois que c'est que visuel. Le serve lag ou c'est que visuel? Et voilà, incroyable. C'est type à beau tout ce qu'on a fil. Bon, j'ai le contour aussi à faire en obsidienne, mais c'est pas grand chose. Et ensuite tout ça, on va le détruire sur toute la profondeur. Bon après, faudra terraformer, hein. Ça va être une autre paire de manches.